Il est pas là, Brandon Lewis. Qu'est-ce qu'on attend en fait là? Qu'est-ce qu'on attend en Racing? Vous pouvez m'expliquer, il va pas venir. Alors quand c'est comme ça, on passe, c'est tout. On passe à la course, Brandon Lewis n'est pas là, on n'est que 4. Génial, bon la course est quand même officielle, mais bon. Ouais, quand on est que 2 ou 3, hein, j'évite de m'inscrire à la course. Ça sert à rien de rouler dans ces conditions-là. Mais bon. Du coup là, on est 4, ça reste officiel, on était 5 inscrits, donc ça reste officiel. Mais il y a encore Gunnar, évidemment. Le fameux. Et Maxwell Evans, qui a pas l'air mauvais aussi d'ailleurs. Donc on va essayer de se battre pour la P2, mais pas sûr que j'y arrive. Allez, on se retrouve pour le départ. Allez, le quart bloque-le! Je me jette. Ah putain, il est passé l'enculé. J'arrive en renfort, Maxwell. Bloque-le, bloque-le. Vous voyez comme il est rapide ce mec. Il est imbloquable. Maxwell, il sait que c'est sa chance là de bloquer. Allez! C'est Evans, je pense, son prénom du coup. Bloque-le! Ouais, il coupe là-haut! Oh là là! J'arrive pas à y suivre. J'essaie, mais c'est dur hein, quand même. Hein. C'est vrai qu'il le bloque un peu pour l'instant, mais pour combien de temps? Il va le sortir! Oh le bâtard! Il va passer! Non! Oh terrible! On va plus revoir, c'est fini. Putain de merde! Ouais, Jonathan, il. Jonathan, d'ailleurs, il suit derrière. Jonathan, c'est quoi ce prénom? Il a dû se tromper, c'est pas possible. Mais Gunnar, il faut l'éclater en fait. Enfin, je veux dire, c'est dur de dire ça, mais. Quel plaisir il retire de faire ça en fait. Nous éclater comme ça, il n'y a aucune concurrence. C'est comme LeBron, c'est comme tous ces mecs quoi. Il n'y a aucun plaisir à faire ça en vrai. Ouais, Evans qui se barre là, putain. Allez, un petit slowdown pour fêter ça. J'avais vu hein, Evans qu'il était rapide hein, au chrono là. En vrai, les slowdowns ils servent pas à grand chose. Avec la Beetle, ils sont relous. Mais avec ce camion, ça va. J'arriverai pas à finir deuxième, je pense. Ça va être compliqué là. Les 20, c'est trop rapide. Mais il reste prenable par rapport à l'autre là. L'autre il s'échappe, c'est terminé, on le voit plus quoi. Insupportable. On reverra le départ au ralenti après la course.
Vous savez quoi, je vais assurer la troisième place, ça sert à rien. Il est trop rapide, j'arriverai pas à le rattraper. Sur P3 encore une fois. Hein. Puis voilà quoi. Vous savez quoi? Pour économiser le temps de visionnage, je vais couper l'enregistrement maintenant et on se retrouve au dernier tour. Quand c'est comme ça, ouais. Quand je vois qu'il se passera plus rien, je ferai ça du coup. Ça économisera des gigas. Et ça me prendra moins de temps à uploader. Allez, troisième. Replay. Furieux le français. Regardez, il se jette le pilote français. Boum, gueunard, dans ta gueule. Bon, après, c'est. Ouais, il m'a eu. Mais je vais pas bloquer vite. Enfin, je vais pas bloquer longtemps. Hein. C'est un Finlandais, lui, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, bah, Brandon Lewis, il finit 5ème, lui. Il a même pas roulé. Bref, c'était pas la course de folie, hein, quand même. Hein, on va pas se mentir. Ouais, j'aurais pu faire que 3ème. Je gagne quand même 6 d'e-rating. Merci Brandon hein, de me donner ton e-rating que t'as perdu bêtement en venant pas à la course. Jonathan Array, putain, il avait que 1086 lui. Mais il est pas si long que ça, hein, 41,9 ça va encore, je trouve. Il y en a, ils sont en 42-43 quoi. Bref, on partait 4, on finit 3. Alors, on partait 4ème. Et on finit une 13ème fois 3ème. C'est quand même pas croyable. Hein. C'est juste incroyable quoi. Je suis vraiment abonné à cette place. Il y a pas de doute possible. Ça fait combien de pourcents là? 56,5% de troisième place sur cette catégorie. C'est hallucinant quoi. Top 3, 78%. 95% de top 5. Bon allez, sur ce, à la prochaine donc. En espérant gagner peut-être